Bonjour tout le monde, c'est Valentin pour un tuto pour savoir comment mettre de la musique sur son serveur Minecraft. Donc ça marche pour les serveurs craqués. Donc les liens seront dans la description. Donc pour commencer, on va s'intéresser à Custom Music qu'on va mettre dans plugin de son serveur Bekit. Donc une fois qu'on l'a mis, on va l'allumer. Et après, on va s'intéresser à Audio Client, que tout le monde doit avoir pour pouvoir écouter la musique qui est sur le serveur. Donc on va créer un nouveau dossier, on le renomme comme on veut. Donc on double-clique dessus, mais pour certains ça s'ouvre pas comme ça, vous faites clic droit, ouvrir avec Java. Donc après on va le paramétrer. Dans Minecraft Name on va mettre son pseudo, moi c'est Valentin The Geek. Dans serveur IP, on va mettre l'IP du serveur. Dans port, on laisse comme comme c'est déjà mis, on touche pas. Là, pareil. Et ensuite, on va pas sauvegarder directement, on va aller dans musique et on va faire add. Et on va aller chercher les musiques qu'on va ajouter sur son serveur. À chaque fois, je suis paumé, bibliothèque, musique. Enfin, ça dépend où vous l'avez mis. Je pense celle-là, ah oui, on peut mettre que 3 musiques où c'est un nombre de gigas limité, mais je pense qu'on peut tout mettre sur une piste pour voilà, pour pouvoir un peu tricher si je peux dire. Donc on clique dessus, on va faire synchronise et on retourne dans général et on fait sauvegarder. Donc ensuite, comme je vais pas pouvoir filmer avec Camtasia Minecraft, dès qu'on sera dans le serveur, on va faire connect. Donc on se retrouve tout de suite dans le jeu pour savoir les commandes à faire. Donc me revoilà en jeu sur Minecraft pour montrer les commandes du plugin. Donc je rappelle, pour écouter la musique, tout le monde doit avoir Audio Client sur son PC configuré avec son pseudo et son IP, l'IP du serveur. Donc pour commencer, pour placer une box, une white box, comme j'appelle ça, on fait slash cm cette box et le nom de la box. Mais attention, pour en mettre que 3. Donc on va entendre la musique. Si on veut augmenter le son de la musique, c'est CHCM volume 500. Et imaginons que on veut supprimer la box parce qu'on peut en mettre que 3 et on veut la mettre ailleurs. On fait slash CM delete box 1. Enfin 1 et enfin le nom de la box. Donc je précise, là je suis en version 1.5.2 et j'ai toujours pas rencontré de bug. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner. Et je rappelle, n'oubliez pas de faire connect sinon ça ne marchera pas. Ciao. Turn my music.